Voilà, Cyprien, tu as choisi ce prélude. Oui, j'ai souhaité commencer par ce prélude, d'abord parce que c'est un prélude de Bach et que Bach est un compositeur tout à fait universel, mais aussi et surtout parce que bon, c'est le premier prélude du extrait du premier livre du Clavier bien tempéré. La fugue a été enregistrée, mais là on n'a entendu que le prélude. Pourquoi ? Parce que pour moi, ce prélude représente à la perfection cette conviction, cette croyance des pythagoriciens. Vous savez que pour Pythagore, le mot musique était un terme générique qui signifiait aussi bien la musique que la philosophie, les mathématiques, les sciences, etc. Et pour les pythagoriciens, il était absolument certain que chaque planète, dans sa révolution, dans l'espace, émettait un son, et que tous ces sons mêlés et produits par les diverses planètes, créer la fameuse harmonie des sphères. Et pour moi, ce prélude représente la perfection de l'harmonie des sphères, tout simplement. Alors là, on va écouter maintenant... Alors peut-être, j'aimerais vous poser une question d'abord, oui, avant de passer à la séquence musicale qui va suivre. Vous êtes chypriote, français ? Je suis franco-chypriote. Citoyen de cette planète. Et donc mes parents sont entièrement grecs chypriotes. Ils avaient quitté Chypre à la fin des années 40 pour s'établir au Cameroun, qui était une colonie française. Et j'habite Paris depuis 1959. Voilà. C'est ça. Et vous êtes né en 51 à Marseille. Et je suis né en 51 à Marseille. Voilà, on vous situe déjà. Le Cameroun, c'est un petit peu par hasard ? Oui, mes parents habitaient au Cameroun. Il y avait une communauté grecque très importante. Voilà. Et aujourd'hui, donc, vous n'avez pas à choisir entre la France et Chypre. Vous êtes de cœur avec les deux. Je suis européen et j'ose dire haut et fort que je vote oui au référendum. Vous votez ? Bah oui, quand même. Ah oui. Il faut être un bon citoyen, de temps en temps. Ah oui, mais vous êtes français, donc... Je suis français, oui, oui. Ah oui. J'ai la double nationalité, mais je vote en France puisque j'y habite. Voilà, bon, c'est pas la publicité pour le oui, mais enfin, bon. Non. Alors, Cyprien, maintenant, tu voulais présenter, c'est toi qui as fait le programme, évidemment, c'est ton émission. Deux extraits encore de Bach. De Bach. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est extrait d'un CD de ce petit label que j'ai créé il y a 4 ans et que j'ai appelé Piano 21. J'étais pendant une vingtaine d'années avec ce qu'on appelle les multinationales. Et comme vous le savez certainement, les multinationales s'intéressent de moins en moins aux classiques. Et j'ai créé au tout début de 2001, en janvier 2001, qui était la première année du 21e siècle, Piano 21 pour mes enregistrements. C'est pour ça que ça s'appelle 21, donc Piano 21. Et nous avons jusqu'ici publié une quinzaine de CD et 2 DVD. Donc c'est toi qui publies tes propres... Absolument, parce que je veux une indépendance totale, avoir un choix, une liberté entière dans mes enregistrements, un petit peu comme Sir John Eliot Gardiner avec ses cantates de Bach, qui vient de créer son label, ou Ton Kopman aux Pays-Bas, et d'autres, Saval, hein, Jordi Savall, etc. C'est le seul moyen de... Et alors donc, nous avons prévu des enregistrements récents, mais également des archives des années 70, 80, que nous retrouvons dans diverses radios en France, en Allemagne, etc. Et pour moi, ce qui compte le plus, c'est l'impact de l'interprétation. Si un enregistrement a été fait au début des années 70, comme un Tchaïkovski qu'on vient de trouver, qui vient d'un concert public à Lille, enregistré par l'ORTF, Feu, l'ancienne radio française, eh bien c'était en mono, tant pis, c'était en mono, mais si l'impact... C'est le document. Oui. Mais bien évidemment. Et là, nous allons écouter 2 extraits de ce même disque consacré à Bach, volume 1. J'ai choisi 2 gigues. Pourquoi ? Parce que la première, donc, c'est une giga et la seconde, une gigue. La première est extraite de la partita numéro 1 de Jean-Sébastien Bach et il a indiqué giga. Et souvent, les interprètes ne font pas attention à ces distinctions. Giga, c'est la gigue, donc la giga italienne. Il faut savoir que la gigue, c'est une danse anglaise du 15e siècle, mais quand Bach indique giga, il veut que ce soit joué à l'italienne, et elle a été composée à l'italienne, c'est-à-dire c'est plus rapide que la gigue française. Donc la giga est homophonique, elle est plus rapide, elle est à 12-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et ensuite on entendra la gigue, qui est le dernier morceau de la 2e suite française, et là, la gigue française, elle est polyphonique, elle est un petit peu fuguée, et donc elle est plus lente. Voilà. Et écoutons ces 2 gigues. Thank you.
Voilà, c'était donc une giga et une gigue. Exactement. On a très bien compris la différence. C'est Jean-Sébastien Bach. Cyprien, tu as étudié à Paris avec Aline Van Barensen, qui est une grande pianiste. Oui, d'origine néerlandaise. Oui, et Monique de la Bruchellerie aussi, je vois. C'est une très grande concertiste. Oui. Qui est ton formateur, si tu veux. C'est-à-dire, j'ai un très grand respect pour le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, qui est une grande institution. J'avais eu de très, très bons professeurs, mais il y a aussi le côté personnel. J'ai toujours été un petit peu rebelle. Il y a une grande part, évidemment, d'autodidacte. Mais j'ai beaucoup appris avec ces enseignants, et particulièrement avec Madame Jeannine Vieuxtemps, qui était l'assistante de Monique de la Bruchellerie et qui est la descendante directe de Henri Vieuxtemps. Je ne peux pas me plaindre de cet enseignement, mais il est vrai que l'expérience auprès de Monique de la Bruchellerie a été tout à fait concluante parce que elle avait une grande expérience de concertiste. Et elle disait toujours, quand vous montez sur scène, il faut oublier la préparation, jouer comme si c'était la première fois. Et c'est un petit peu mon leitmotiv, Marc. Vous savez, quand on joue, il ne faut jamais oublier que la routine est l'ennemi aussi bien de l'amour que de la musique. Et quand je monte sur scène, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait en permanence une communication. L'aspect communication est plus important que l'aspect technique. Et je voudrais citer le grand philosophe américain Ron Hubbard, qui a dit que l'art, c'est la qualité de la communication. Oui, oui. C'est très, très important. Il faut beaucoup travailler. Moi, je bosse en permanence. Je ne prends jamais de vacances pratiquement. Je ne m'en porte pas plus mal. Je ne suis quasiment jamais fatigué. Et quand on a beaucoup travaillé, il faut toujours, quand on monte sur scène, être très naturel. Et même quand on fait un enregistrement, vous savez, on dit toujours que les enregistrements en public ont quelque chose de plus que les enregistrements en studio. Mais c'est notre responsabilité en tant qu'interprète de faire en sorte que quand on enregistre dans un studio, car le micro, c'est quand même le public le plus redoutable qui soit, de faire en sorte que la communication de l'émotion musicale soit toujours véhiculée de manière efficace. Oui, mais dans une salle, tu as un feedback, un micro. On a un feedback dans la salle, mais je me permets de le répéter, le micro, c'est un sacré feedback aussi. Oh là là, oui, c'est très, très, très important. En ce qui me concerne, je trouve qu'il est plus difficile d'enregistrer que de jouer en concert. Et voilà. Mais le jugement qu'on a sur une interprétation live est différent du jugement qu'on a sur une interprétation qui a été donnée en studio. Oui, bien sûr. De toute façon, un enregistrement, quel qu'il soit, en live ou en studio, ce n'est qu'un un enregistrement d'un moment donné. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une idée de pérennité quand même quand on est en studio, dire voilà, ça c'est un document que je vais laisser pour la postérité? Ah ben évidemment, moi je suis un fanatique amoureux des enregistrements depuis mon adolescence, et si je me suis lancé dans Piano 21, c'est justement pour que quelque chose reste. Et vous savez que le marché du disque n'est pas très très bon actuellement. Ici en Belgique, je suis très très content du travail fait par notre distributeur La Boîte à Musique. Il y a très peu de disquaires spécialisés dans le classique, ça n'existe plus en France, quasiment plus. Je suis très très fier qu'à Bruxelles, vous ayez ces merveilleux magasins de disques. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que on ne peut pas dissocier l'enregistrement live. Si c'est par exemple une chose qui a été faite il y a 30 ans, on va entendre tout à l'heure un extrait, j'ai une petite surprise pour vous. Ah, chic. Ah oui. Mais bon, n'en disons pas trop maintenant. Bon, alors qu'est-ce que tu nous proposes maintenant? Du Bach? Oui, je propose du Bach, mais pas le grand Jean-Sébastien. Vous savez que Jean-Sébastien Bach a eu 20 enfants, dont 4 grands compositeurs. Et celui qui est le moins connu, c'est Johann Christoph Friedrich Bach, qui a créé un merveilleux concerto que nous avons enregistré il y a un peu moins de 2 ans au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du Festival international d'Echternach. On en reparlera, oui. D'accord. Et c'est le mouvement lent de ce concerto que je trouve absolument sublime. Qui est l'orchestre et le chef d'orchestre? Alors, c'est l'orchestre de chambre du Festival d'Echternach, et le chef, c'est le chef coréen Yoon Kukli. Thank you.
c'était donc une page de Johann Christoph Friedrich. Friedrich, voilà, un fils que je ne connaissais pas du tout. En fait, voilà. C'est très beau, on ne connaît pas du tout. On connaît pas, tu as été chercher ça dans les archives ou bien... C'est pas facile à trouver, non, c'est pas facile à trouver justement. Et le projet était constitué de cinq. Je voulais. En fait, c'est un disque qui comporte pour la première fois cinq concertos de la famille Bach. Parce qu'il y a aussi Carl Philipp Emanuel, il y a Johann Christian. Mais qui sont plus connus déjà. Mais... Qui sont beaucoup plus connus, bien évidemment. C'est son petit frère qu'on ne connaît pas, quoi. Voilà, et puis Wilhelm Friedman, qui était le fils favori de Bach. Oui. Mais celui-là, on le connaît beaucoup moins. Et c'est vraiment très, très beau. C'est une volonté d'aller chercher des choses peu connues. Ah oui, toujours. Ou bien... toujours. Oui. J'ai toujours fait ça pour mes enregistrements et même pour les concerts. Lorsque les organisateurs veulent bien que nous jouions du répertoire un petit peu rare. Non, il est très important de fouiner. J'ai une très, très grande collection de partitions. Vous savez qu'on ne joue, les pianistes actuellement, nous ne jouons que 2% de tout ce qui a été écrit pour le piano au 19e siècle. Et je cherche toujours des choses rares. Il faut garder un équilibre entre le grand répertoire et la découverte. Mais on dit que les gens aiment bien entendre ceux qu'ils connaissent déjà. C'est ça qui est peut-être un peu triste. Mais il y a toujours un créneau pour le répertoire rare. Et un pianiste que j'admire beaucoup, Marc-André Hamelin, c'est beaucoup spécialisé dans ce créneau, d'ailleurs. Ce qui ne t'a pas empêché d'enregistrer tous les concertos de Mozart. Alors ça, c'était à l'invitation, en 96. C'était un petit peu une folie. À l'invitation d'un merveilleux orchestre de chambre à Salzbourg qui a été créé il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle la Salzburger Kammerphilharmonie, la philharmonie de chambre de Salzbourg, et qui a été fondée par le chef coréen Yun Kuk Lee, lequel enseigne au Mozarteum de Salzbourg. Nous avons fait sur 2 ans et demi l'intégrale des concerti à Salzbourg et à Vienne, au Mozarteum pour la majeure partie et à Vienne au Musikverein, cette sublime salle que vous connaissez par le concert du Nouvel An. Oui, évidemment. Et donc, les concerts ont été enregistrés, enfin, on a fait enregistrement à l'occasion de ces concerts. Tout est live. Tout est live, oui. Sauf les premiers, peut-être, non ? On a fait quelques petits mélanges. Vous savez, comme au festival de Bayreuth, on enregistre plusieurs les répétitions, c'est ça, tout oui, ça. Oui. Bon. Et là, j'ai choisi pour vous, si vous me permettez, le sublime deuxième mouvement, la Sicilienne, du fameux 23e en la majeure, Köchel 488. Thank you.
Voilà, donc c'était le Siciliano, l'adagio du 23e concerto de Mozart, avec la Salzburger Kammerphilharmonie, dirigée par Jun Kukli, et c'est un enregistrement public dans la grande salle du Mozarteum de Salzbourg. Mais il fait bien ça, Cyprien, moi je peux partir. Cyprien, je vois que dans, par exemple, tous les programmes de tes disques, je vois qu'il y a comme beaucoup de choses qui sont peu connues. Et pour nous, en radio, c'est une chose extraordinaire, parce que, bon, repasser une symphonie de Beethoven, oui. Mais il y a aussi des transcriptions que tu as faites certaines toi-même, ou bien des transcriptions peu connues que tu as enregistrées. Oui. Et ça, c'est très excitant, je crois, pour le mélomane que je suis, de pouvoir découvrir des choses nouvelles. Parce que vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit, par exemple, le peu de disques produits par les majors, on voit que ce sont toujours les mêmes œuvres, et bon, en général, le discophile les a déjà. Donc, il ne va pas acheter une Xème version de la Passionata de Beethoven. Oui. Mais alors, de temps en temps, on voit qu'il y a un certain label, dont le tien, je ne dis pas ça parce que tu es là, mais parce que j'ai passé des choses récemment sur antenne de Piano 21, qui sont des choses totalement inconnues. Et ça, c'est gai aussi pour celui qui le joue, je crois. Ah oui, complètement. Vous savez, moi, quand j'habitais le Cameroun, j'avais 3-4 ans, j'écoutais beaucoup de disques de 33 tours. J'écoutais du Wagner, du Tchaïkovski et la symphonie pastorale. Et j'ai toujours été amoureux de cette musique. Et je me dis, tiens, il faudrait qu'un jour je puisse jouer ça, mais c'est une œuvre orchestrale. Et un beau jour, je tombe sur ces sublimes transcriptions effectuées par Franz Liszt. Vous savez qu'il est très bien, très, très bien qu'il a transcrit les 9 symphonies de Beethoven. Je vais quand même dire à nos auditeurs quelque chose qu'ils ne savent pas, c'est que notre ami Marc Castelin a fait on peut dire un mémoire ou un... Oui, quand j'étais jeune, je fais un mémoire de licence. Mais il est toujours jeune, hein, il est toujours jeune. Voilà, sur les transcriptions de Liszt, ce qui est tout à fait remarquable comme travail, eh bien, les transcriptions de Beethoven, un jour je tombe donc sur les transcriptions, et ça a permis d'assouvir ce besoin de pouvoir les produire. Vous savez, c'est un petit peu comme une jolie femme que vous voyez, que vous désirez, mais vous ne pouvez pas l'avoir parce qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. Voyez-vous ? Et on a envie de se l'approprier, cette symphonie de Beethoven, cette symphonie de Mozart, cette symphonie de Mozart, par le biais de la transcription. Bon, je n'ai pas encore la perversion de certains de mes collègues qui font d'ailleurs ça très très bien, qui sont devenus chefs d'orchestre. Je préfère avoir un contrôle direct sur les sons que je produis. Je pense que si on devient chef d'orchestre, il faut le faire de manière professionnelle et pas comme un dilettante. Et là, je vous propose d'écouter une transcription rarissime qui est le final de la 40e symphonie de Mozart, la plus célèbre symphonie de Mozart. Et cette transcription a été effectuée par Hummel, le grand compositeur né en Bohême, et qui était l'élève le plus célèbre de Mozart. Et le plus doué, sans doute, aussi. Oui. Pardon ? Et le plus doué aussi. Et le plus doué. Et je me permets de vous signaler que cet enregistrement a été effectué par Michel Devos, ici en Belgique, plus exactement au château de Delain. Et il fait partie d'un disque consacré à des transcriptions de Mozart, dont l'ouverture, ce sont des premières mondiales, hein, il n'y a que des premières mondiales, et dont l'ouverture de l'enlèvement au sérail que nous n'allons pas entendre aujourd'hui. Transcrit par ? Par Mozart lui-même. Par Mozart lui-même. Et qui avait échappé pendant plus de 200 ans à tout le monde. Il n'existe que 4 ou 5 partitions d'époque quelque part sur cette planète, dans certaines des bibliothèques, c'est très difficile à trouver. Et c'est tout à fait extraordinaire que Mozart ait fait cela. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il en a eu assez, à un moment donné, d'écrire des œuvres et que d'autres en fassent des arrangements. Par exemple, il y avait des arrangements multiples pour divers ensembles de chambres, dont instruments avant et cuivre. Souvent avant, oui. Et quand c'était donné par quelqu'un d'autre, c'est cette autre personne. Il n'y avait pas de SABAM à l'époque ou de SACEM, de Société protégeant les droits des compositeurs. Donc, Marc Castelin écrit un opéra, Cyprien fait un arrangement, et c'est Cyprien qui touche les droits. Et on sait par une lettre qu'il avait envoyée à son père Léopold, qu'il était sur le point d'effectuer un arrangement de l'enlèvement au sérail. Il n'a pas pu le terminer, mais l'ouverture, il l'avait faite, il l'avait publiée à l'époque, et c'est cette partition qui est rarissime qui se trouve sur ce disque qu'on ne va pas entendre aujourd'hui parce que je voudrais que le mélomane aille se procurer ce disque. Mais on va entendre maintenant le final de la 40e symphonie transcrite par Hummel. Thank you.
C'est amusant cette transcription. Hein, voilà, c'était le final de la 40e de Mozart par Hummel, enregistré ici en Belgique par Michel Devos. Voilà. C'est ça. Alors, toujours joué au piano par Cyprien Katsaris, il faudrait quand même le souligner parce que c'est important. Alors, c'est assez amusant parce que tu as enregistré du Bach, tu as enregistré de la musique des fils, Bach, tu as enregistré du Mozart et voilà. Aussi du petit rejeton de Mozart. Ben aussi. Oui, tu aimes bien les familles. Ah non, mais tu sais, le petit rejeton en question, s'il ne s'était pas appelé Franz Xavier Mozart, il aurait été beaucoup, beaucoup plus connu actuellement. D'ailleurs, ça revient, il y a des disques qui sortent actuellement avec ses œuvres. Ce n'était pas n'importe qui, Franz Xavier Mozart. Il est né donc en 1791, l'année de la mort de son papa. Et je voudrais aussi rappeler que le père de Mozart était un compositeur tout à fait estimable. Et d'ailleurs, sur ce CD que j'ai intitulé « La famille Mozart », il y a une sonate du papa de Mozart qui est magnifique. Léopold. Mais là, nous allons écouter un morceau de Franz Xavier Mozart qui a eu une vie quand même assez triste. D'autant plus que sa maman, Constance, a vécu assez longuement. Je crois qu'elle est décédée vers 1830 ou 40. Elle s'était remariée. Et quand elle l'a présenté pour son premier concert à l'âge de 14 ans, elle avait changé son prénom. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas le droit d'avoir son propre prénom. Elle l'avait changé en Wolfgang Amadé Fils. Et les rares partitions que l'on peut trouver dans certaines bibliothèques à Vienne ont été publiées en langue française, car à l'époque, les partitions étaient publiées en français. Même le troisième concerto de Beethoven s'était déposé au bureau d'art et d'industrie de Vienne, troisième concerto de Monsieur Louis de Beethoven, dédié au prince Lichnowsky ou je ne sais plus. C'était la belle époque pour la langue française. Hein. Ben c'était voilà l'époque, oui, c'était. Et donc sur les partitions de Franz Xavier, il est indiqué Wolfgang Amadé Mozart fils. Et il a écrit une très belle chose qu'on va pas écouter maintenant malheureusement parce qu'on a un petit problème de temps, je pense. Son premier morceau publié à l'âge de 14 ans, ce sont des variations sur le menuet de Don Giovanni, qui sont très beethoveniennes, curieusement. Mais là, nous allons écouter une polonaise mélancolique. Eh oui, Franz Xavier Mozart est l'un des créateurs de la polonaise mélancolique. Vous savez que la polonaise, c'est une danse plutôt lente, solennelle, qui a apparu en Pologne à l'époque de je ne sais plus quel roi de France qui était en même temps roi de Pologne. J'ai un petit trou de mémoire là. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Franz Xavier Mozart a composé plusieurs polonaises. Il y a trois opus dont beaucoup de polonaises, la majeure partie sont des polonaises mélancoliques, qui font penser, qui rappellent étrangement les polonaises de jeunesse de Chopin. Mais il y a un hic, c'est que quand Franz Xavier les avait composées, ces polonaises mélancoliques, le petit Chopin, il n'avait que 4-5 ans. Donc, il est impossible que Franz Xavier ait copié sur Chopin. Par contre, il est tout à fait probable que Chopin en a eu connaissance et qu'il en a été influencé. D'autant plus que Franz Xavier avait vécu en Pologne pendant très longtemps. Et c'est tout à fait touchant. Je pense qu'il faut réhabiliter ce compositeur. Il est tout à fait injuste que ce garçon, sous prétexte qu'il fût accent circonflexe, subjonctif imparfait, sous prétexte qu'il fût le fils de Mozart et qu'il ait été donc qu'il ait vécu dans l'ombre de son illustre père, il faut quand même qu'on lui rende justice. C'est difficile de se faire un prénom, c'est vrai. Ah oui, ça me fait penser un petit peu à Czerny. Vous savez, tout le monde connaît Czerny par les exercices. Tous les pianistes amateurs professionnels sont passés par des exercices. Mais il faut quand même rappeler que Czerny, professeur les de milliers d'exercices, pardon, professeur de Beethoven aussi. Mais bien sûr. Élève de Beethoven, professeur de Liszt. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Il est entre les deux. Oui. Il faut rappeler que Czerny, ses milliers d'exercices ne constituent que 10% de sa production en tant que compositeur. Et qu'il y a des opus, moi j'ai trouvé un opus 246 ou 245 qui consiste en 11 ou 12 fantaisies sur des opéras. Mais c'est incroyable tout ce qu'il a écrit. Et il y a une sonate, opus, je ne sais plus, opus 7, je crois, ou opus 8, qu'il avait composée quand il avait 19 ou 18 ans. Il l'avait composée en 1810. Et le deuxième mouvement de cette sonate de Czerny, c'est du Schumann. Et personne ne peut prétendre qu'il a copié sur Schumann, puisque c'est l'année de la naissance de Schumann. Voyez-vous ? Cyprien, il y a encore beaucoup de choses à enregistrer, non ? Moi, j'ai fait un petit calcul. Il me faudrait à peu près 375 ans
pour pouvoir enregistrer tout ce que j'ai envie d'enregistrer. Et heureusement que je crois à la réincarnation. On te les donne. Alors, merci. On écoute cette polonaise mélancolique du fils Mozart. Voilà. Voilà, c'était cette polonaise mélancolique de Franz Xaver Mozart par Cyprien Katsaris.
Cyprien, tu as fait le concours Reine-Elisabeth, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que maintenant, avec un certain recul, si tu devais recommencer, est-ce que le concours international, c'est vraiment un must? Il faut vraiment passer par là? Je ne pense pas du tout. Non. Il est nécessaire de participer à des concours internationaux pour acquérir, pour avoir l'expérience du public, les conditions draconiennes que cela représente, car c'est quand même beaucoup plus tendu qu'un concert, oui, bien évidemment. J'encourage tous les jeunes pianistes à participer à des concours internationaux, mais je les préviens à l'avance qu'il n'y a absolument aucune garantie que cela les aide pour une carrière. D'ailleurs, la carrière est quelque chose d'extrêmement périlleux. Elle ne l'a jamais été autant qu'à notre époque. Et on n'a jamais eu autant de jeunes pianistes. Il paraît qu'en Chine, il y a 50 millions de pianistes. Bon. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde pour la carrière? Moi, je le souhaite, je l'espère. Je considère personnellement qu'un artiste a un rôle très très important dans la société, en ce sens qu'au même titre qu'un médecin qui injecte un médicament dans l'organisme afin de le soulager ou de l'aider à s'améliorer, on ne parle que des médicaments bénéfiques, oui, hein, parce qu'il y a beaucoup d'abus, et bien au même titre un artiste, de par son action, que ce soit un peintre ou un musicien, injecte dans la société du beau avec un grand B, de la chaleur, et les quelques minutes ou les deux heures d'un concert, les quelques minutes au cours desquelles vous admirez un tableau, ou les deux heures du concert auquel vous assistez, si cet apport, cette contribution artistique permet au public, à l'auditeur, à l'auditrice, d'oublier pendant ces quelques instants ses soucis quotidiens, de se sentir mieux, et si nous pouvons contribuer à ce que tous ensemble nous nous élevions spirituellement, la partie est gagnée. Et dans ce monde de folie et de barbarie, attention, nous vivons à une époque où il y a la bombe atomique maintenant. Avant, on se tapait dessus avec les armes blanches et les armes à feu, maintenant il y a la bombe atomique, la folie n'a pas été éradiquée. Les artistes ont une responsabilité énorme et il faut qu'il y ait de plus en plus d'artistes, de musiciens. Maintenant, sur le plan de la carrière, c'est une autre paire de manches. Ça me rappelle ce que disait Rubinstein quand je l'avais rencontré en 1975. Il disait que les hommes les plus importants en Pologne, il parlait pour la Pologne, c'est pas les grands généraux, il dit, ce sont les grands musiciens, les grands sculpteurs, les grands poètes. Il dit, ça, ce sont les hommes les plus importants. oui, non, mais l'art est un véritable antidote. Et justement, quand j'entends un morceau comme ce premier mouvement de la 31e sonate de Beethoven, l'opus 110, il y a une quiétude, une sérénité à laquelle nous aspirons tous et à laquelle nous devons tous travailler pour l'obtenir. Et ça ne se passe pas facilement, tout ça. Alors, on l'écoute ce mouvement-là de l'opus 110. Non, c'est le premier mouvement. Le premier mouvement de l'opus 110. Thank you.
C'était le premier mouvement donc, de l'opus 110 de Beethoven dans la bémol majeure par Cyprien Katsaris. En live à Tokyo, il y a une quinzaine d'années. Voilà, c'était un concert public. Et... C'est un passage obligé maintenant le Japon pour... Ah oui, le Japon c'est un pays... Oui. Non, attendez, c'est un pays que j'estime au plus haut niveau. Vous savez, les Japonais ont une sensibilité tout à fait particulière. Quand je dis particulière, c'est une très très grande sensibilité. Je crois que c'est le seul pays au monde où j'ai vu aussi souvent des gens les larmes aux yeux à la fin d'un concert. Je suis allé à peu près une vingtaine de fois. Et quand on les voit ici en Europe, les touristes japonais, il y a toujours ce mur, bon, à cause de la langue. Mais c'est un peuple hautement civilisé. Parfois, j'ai honte, moi, en tant que gaijin, en tant que étranger, quand je vois la manière dont certains occidentaux se comportent. Ce sont ils sont complètement affamés, assoiffés de culture occidentale, comme vous le savez. Il y a quelque chose comme 9 ou 10 orchestres à Tokyo. C'est vrai qu'il y a une petite crise aussi là-bas sur le plan économique. Il y a un petit peu moins de public qu'avant, mais il y a tellement de concerts de toute façon. Non, c'est un pays que j'adore et qui ressent la musique occidentale. Bon, il faut dire aussi que notre musique européenne est assez universelle. Hein, c'est pas mal, hein, ouais. C'est pas mal. Enfin, on n'y est pour rien, mais... Alors, et puis Chopin. Alors, il y a un petit côté un petit peu casse-pied avec les Japonais. Ils demandent sans arrêt du Chopin. Il faut toujours aller rejouer du Chopin. Bon, il est vrai que j'ai fait une série de 13 émissions à la demande du NHK, la plus grande chaîne de télévision au Japon, il y a une dizaine d'années, 12 ans, sur Chopin. Mais il faut tout le temps jouer du Chopin là-bas. Moi, j'ai rien contre Chopin, j'adore Chopin. J'ai enregistré presque la moitié de l'œuvre de Chopin. Et là, je vous propose d'écouter un extrait de la troisième sonate, le final de la troisième sonate de Chopin, en live à Carnegie Hall à New York. C'est un concert qui a eu lieu le 17 octobre 1999, jour pour jour. Il s'agissait du 150e anniversaire de la mort de Chopin, qui est décédé donc le 17 octobre 1849. Et c'était un dimanche. Je vais vous faire une petite révélation. La semaine qui précédait ce concert, j'ai donné le même programme In Memoriam Chopin au Japon. Le dernier concert a eu lieu la veille, le samedi 16 octobre. Je vais à l'hôtel de l'aéroport. Je fais installer par Yamaha un clavinova, un piano électronique avec écouteurs. Ils n'ont d'ailleurs pas compris pourquoi je voulais avoir un piano. Ben, c'est comme ça, je travaille beaucoup. Et à minuit et demi, je me suis remis donc au piano. Je m'en suis levé qu'à 7h15 du matin, avec mes écouteurs pour ne pas déranger les voisins, j'ai retravaillé tout le programme que je venais de jouer 5 fois au cours de cette semaine. Et je prends une douche, je vais à l'aéroport le matin, je prends un avion pour New York, et 13 heures après, donc je fais un Tokyo-New York, le dimanche 17 octobre, 13 heures après, je me retrouve à mon hôtel à New York, sur la 56e rue, si ma mémoire est bonne, qui est celle de l'entrée des artistes de Carnegie Hall. Excusez-moi. Et à 18h30, je vais sur scène. Nous essayons les micros, les caméras, puisque le concert a été également filmé. Et 10 minutes avant l'entrée en scène, à 19h50, je lis dans le programme de Carnegie Hall, dans l'historique, j'avais joué plusieurs fois, mais je n'avais jamais lu l'historique de la salle, que Carnegie Hall avait été inauguré en 1891, 50 ans jour pour jour avant ma naissance, le 5 mai 1891. Moi, je suis né le 5 mai 1951. Et elle avait été inaugurée, cette salle, par un certain Tchaïkovski qui venait diriger son premier concert aux États-Unis. Alors, je ne vous dis pas les frissons que ça m'a donné et l'énergie supplémentaire. J'avais voyagé le jour même et je me suis lancé. Je me suis dit, oh là là, j'ai une sacrée responsabilité. Cette salle qui a été inaugurée par Tchaïkovski. Et moi, qu'est-ce que je fais là? Il faut que j'honore la mémoire de Chopin. Tu sentais l'ombre de Tchaïkovski autour de toi? Ah, et de Chopin, surtout. Chopin qui n'avait jamais mis les pieds aux États-Unis, non, d'ailleurs. Liszt non plus, d'ailleurs. Hein. Non, Liszt non plus. Thalberg, alors... oui. Je crois que Thalberg y était. Bien, on va écouter donc le final. C'est aussi un lieu de passage obligé pour les grands virtuoses, Carnegie Hall. Carnegie Hall, c'est formidable, oui, bien sûr. Et l'acoustique. Très belle salle, l'acoustique magnifique. Magnifique, hein, oui. Oui, tout à fait. Bon, bah, on écoute ça. Thank you.
C'était les finales de la troisième sonate de Frédéric Chopin. C'était joué Carnegie Hall. Voilà, en live à l'occasion de ce récital. Voilà. Et les applaudissements. Cyprien, un artiste, il a besoin de ces applaudissements. C'est une reconnaissance, une validation. Une validation. Mais vous savez, parfois, on donne un concert, on croit qu'il était très très bon, et les gens réagissent moyennement, la critique est mauvaise, et vice-versa. Tu t'intéresses vraiment à la critique ? Pardon ? Tu t'intéresses vraiment à la critique ? Je pense que nous sommes obligés d'en tenir compte par rapport à l'impact qu'ils ont sur le public, l'influence qu'ils peuvent avoir et l'impact sur les ventes de disques quand même. Parce que vous savez, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on se lance dans un petit label, il y a un énorme risque qu'on prend. Un petit label, c'est une perte d'argent permanente. Moi, je le fais parce que je suis un passionné de l'enregistrement. Mais si les gens n'achètent pas les disques, on ne pourra pas continuer éternellement. Et puis, bon, parlons de choses un petit peu plus amusantes, peut-être comme le rubato, l'interprétation. Là, on vient d'écouter du Chopin. Moi, personnellement, mon credo, c'est de jouer avec, qui est toujours un apport de l'interprète, toujours dans le cadre du respect de ce que nous connaissons des intentions du compositeur, car personne ne peut prétendre à la vérité absolue sur le plan d'interprétation. Et je peux vous dire que la manière de jouer du piano de ces 50 ou 60 dernières années n'est pas du tout ma tasse de thé. Cette espèce d'excès sur le plan de l'objectivité, cette manière académique. Non, la musique, c'est avant tout un acte d'amour spirituel. Le compositeur et l'interprète ont une interaction... je dirais presque amoureuse, et le résultat, c'est cet enfant qui est l'interprétation. Et puis il y a une autre interaction entre l'interprète et l'auditeur et l'auditrice. Moi, je suis pour la... Quand j'entends qu'un jeune pianiste dans un jury qui joue de manière totalement différente, si c'est fait de manière sincère, car on ne peut pas mentir en musique, on ne peut pas mentir, je sens tout de suite qu'il y a un manque de sincérité, et bien si c'est fait de manière sincère, s'il a des idées intéressantes et que c'est convaincant, je vote pour. Et même quelqu'un comme Chopin, quand il rejouait le même morceau plusieurs fois ou quand un passage revenait, il variait toujours. Il ne faut pas que ce soit figé. Bon, le rubato, c'est quelque chose de très très important. Chose la plus difficile, je crois. Mais bien sûr, il a été décrit par un musicologue italien en 1723, Tosi. Et le rubato pour le bel canto, le bel canto baroque et romantique est exactement le même. Mais vous avez donc le type A du rubato qui consiste à ce que la basse ne bouge pas, n'est-ce pas ? Donc on fait ça. Et puis le chant. Pa 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 pa. Là, il y a pas de rubato. Maintenant, je vais faire un rubato. Pa 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 pa. Donc, le chant fluctue. Et Liszt l'a très bien décrit. Vous savez, avec le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, c'est la basse, et les feuilles qui frémissent au gré du vent, c'est le. Vous voyez donc la mélodie. Et puis le type B, c'est quand tout l'édifice bouge. Alors ça se fait de manière naturelle, mais à l'époque, Chopin le faisait de manière naturelle. Et puis vous avez tous ces pianistes qui ont essayé de l'imiter, mais ce n'était pas naturel. On est tombé dans un excès qui était du mauvais goût. Et puis après, contre cet excès, il y a eu cette manière de jouer de ces 50 ou 60 dernières années qui est trop rigide. Voilà. Bon. La première ballade de Chopin. Il faut aussi penser à d'autres instruments. Si je pense au premier thème, vous savez, le ta-di-da-di-da-dam. Si on pense piano uniquement... C'est ta 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 ta. Le piano, c'est un instrument à percussion. Alors, je pense à un coup d'archer. Et là, j'obtiens le phrasé. Il faut que la main bouge en même temps pour obtenir ce phrasé. Chopin, Liszt. Bon, là, on va écouter du Liszt. Je vous propose du Liszt pas connu. Vous qui êtes un spécialiste de Liszt, vous savez qu'à la fin de sa vie, il a écrit de la musique quasiment d'avant-garde. Presque atonale même. Il y a même une bagatelle sans tonalité. Tout à fait atonale, oui. Et là, je vous propose une marche funèbre composée 2-3 ans avant la mort de Liszt. Donc, je crois que c'est en 83-84, il est mort en 86. Et c'est un extrait d'un DVD. Donc, c'est un concert qui avait été filmé par Claude Chabrol en 79, dans le cadre du Festival international des Sternach, lequel commence, je vous permettrai de vous le signaler. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse. Oui, pardonnez-moi. Le pianiste Cyprien Cassari, c'est aussi directeur artistique du Festival des Sternach. Voilà, au Grand Duché de Luxembourg, voilà. Depuis 1977. C'est pour ça que tu parles du 1077 et pas 14. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tu parles comme chez nous. Je parle bon français, moi. Oui, oui. Mais j'ai pris l'habitude depuis que je venais en Belgique dans les années 70 pour le concours et les concerts qui ont suivi. Le Festival des Sternach commence le 29 avril avec le Parlement de musique de Strasbourg. Nous fêtons cette année les 30 ans du festival. Et ils vont nous donner donc la messe du couronnement. Et nous avons de très grands interprètes comme Maria Joao Pires, Christian Zimmermann,
Hoffman, Sarah Chang. Il y aura le concert du concours Anne-Elisabeth, car nous avons chaque année le concert avec l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg qui accompagne les trois lauréats. Et il y a aussi l'autre magnifique orchestre au Grand-Duché que sont les solistes européens, Luxembourg, dirigé par Jack Martin Handler. Nous aurons cette année Felicity Lott, il y a Chick Corea. Enfin, il y aura beaucoup de concerts. Il y a Spivakov. Et puis, je voudrais aussi mentionner que le 11 juillet, au centre culturel Neumünster, qui va créer un festival qui s'appelle le Festival Omni, en collaboration avec le Festival de Schoenaar, il y aura un concert pour la paix, qui sera composé de 9 pianistes. Nous serons 9 pianistes venant de pays en situation conflictuelle. Il y aura des Turcs, des Grecs, américains avec David Lively, un Iranien, une Nima, Ils vont tous jouer en même temps, non? Je suppose que vous allez jouer à quatre mains. Nous allons jouer à deux pianos, à quatre mains. Et toi, tu joues à quatre mains avec un Turc? Avec un Turc, une Turque chypriote, etc. C'est chouette. Voilà, c'est très rigolo. Voilà, donc je vous propose la marche funèbre de Liszt, qui est extraite d'un DVD, un concert donc, qui a eu lieu au Festival de Schoenaar en 79, et qui avait été filmé par Claude Chabrol. Et je vais vous faire une petite confidence qui va vous horrifier. Ce sera entre nous seulement. Il ne faut pas que ça sorte de Belgique, hein, Marc, attention. Hein. Non, non. Oh là là, parce que je vais avoir des ennuis, moi. Mais enfin bon, on ne peut pas le cacher, puisque c'est dans le DVD. À un moment donné, dans le DVD, on voit Cyprien dans un cercueil. Parce que Chabrol a voulu montrer ce que Cyprien imagine, ce que le pianiste imagine quand il joue cette marche funèbre. Et puis on le voit dévaler une pente dans la forêt des Schoenaar. Et qu'est-ce qu'il voit horrifié? Il voit un autre Cyprien en tenue de concert dans un cercueil. Et je puis vous assurer que c'est très confortable. On a pris un vrai cercueil qui n'a servi que deux fois. Une fois pour le tournage et 4 jours après pour une personne qui y est toujours. D'ailleurs, au cours de ce concert qui avait duré 3 heures, un médecin allemand qui faisait partie du public a décédé pendant le concert. Bon. Voilà, ça c'est du Chabrol. J'espère qu'il n'y a personne qui va décéder pendant l'émission. Vous pardonnera. C'est cauchemardesque. Et chaque fois que tu joues ça maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui tremble dans la salle, non? Je n'en sais rien. Enfin, on prend le risque. Alessandro, on y va?
un peu effrayant, non? Tu te prends pour Nosferatu quand tu joues ça ou... Nosferatu, c'était le cinéma expressionniste allemand, ouais, 1922, fait, hein, ouais. Murnau. Non, mais ce qui est absolument phénoménal avec Liszt, vous vous rendez compte, le même compositeur qui vous écrit une chose pareille, d'avant-garde, on a l'impression d'entendre du Bartok par moment, Le rêve d'amour, les rhapsodies hongroises, les transcriptions, c'est quelque chose de qui dépasse le raisonnement. Voilà, et c'était donc une interprétation en public au Festival des Steiermark en 1979. Oui, les gens ont eu des cauchemars après ça. C'était un bis ou quoi, non? Ça, c'est pas mon problème. Ouais. Là, par contre, je crains que nous ayons fait zapper nos auditeurs. Là. Il faut qu'ils reviennent. C'était un bis aussi ou bien? Non, ça faisait partie d'un concert. Du programme, oui. Première partie du concert, la spiritualité dans la musique pour piano, avec Liszt, Bach et Messiaen. Deuxième partie, la jeunesse, avec Poulenc et Schumann. Et la troisième partie, le piano orchestral avec la symphonie pastorale. Voilà, il devait durer 3 heures ce concert. Là, je suis un peu gêné pour le prochain morceau parce que je risque le lynchage. Et je demande pardon à tous les puristes qui vont devoir se farcir, comme on dit familièrement, une petite pièce de Bach arrangée par votre serviteur Cyprien, peut-être de manière un petit peu X, un petit peu osée. Je leur demande pardon encore une fois. J'avais envisagé de m'exiler vers une galaxie lointaine afin d'éviter le lynchage. On peut arranger ça, hein ? C'est vrai ? Oui, oui. Vous avez des relations à la NASA ? Oui. Alors écoutez, il s'agit de la Badinerie, la célèbre Badinerie, oui, que j'ai arrangée il y a quelques temps, qui se trouve sur le CD Bach volume 2 qui vient de sortir en SACD, s'il vous plaît, hybride. Donc on peut l'écouter et sur un lecteur normal et sur un lecteur hybride, SACD. Et on entendra donc la Badinerie telle que l'a écrite Bach pour flûte et orchestre dans la première exposition et une petite variation dans la deuxième exposition. Transcription de Cyprien Katsaris. Malheureusement. Et au piano, le transcripteur. Voilà, c'était donc cette transcription de Cyprien Katsaris. Cyprien, moi j'adore cette transcription. Mais je vais te dire tout de suite, je retrouve une certaine tradition des grands pianistes du 19e siècle, mais je pense un peu à Tsifra aussi. Là. Ah oui, Tsifra que j'ai bien connu. Toi. Je vais faire une autre révélation à nos auditeurs et auditrices. Marc Castelin a... Qu'est-ce qu'il a fait, Marc ? Qu'est-ce qu'il a encore fait comme bêtise ? Il a fait la première émission... télévisé, oui, en public de, oui, Tsifra. C'est pour ça que j'adore Tsifra. Et c'était Gérard Loverius qui en était le réalisateur, d'ailleurs, qui est notre directeur de Musique 3 maintenant. C'est formidable. On en parlera après, alors, de Tsifra. On parlera de Tsifra après. Oui. Mais ceci, c'est ravissant. Moi, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a aussi le plaisir, certainement, de le jouer, parce que je ne pourrais pas le jouer. Le plaisir physique. Mais oui, tout à fait. Et you must enjoy it, comme on dit, complètement, écoutant ça. Complètement. Il ne faut pas penser que c'est bas, que n'importe quoi. Bon, on s'amuse. J'ai l'impression que tu as 3 mains là-dedans. Hein. Mais tu sais... Tu as fait du re-recording? Non, pas du tout. Ah non, non, non. Ça, c'est affreux, ce que je viens de dire. Je vais me faire lyncher par le pianiste. Non, je ne fais pas ça. Non, non, ça ne va pas, ça. Non, non, mais c'est... J'aime les défis. On croirait vraiment qu'il y a une troisième main, hein, là-bas. Ben voilà, c'est comme ça. Mais il faut aussi dire que Bach, c'est tout sauf ennuyeux. On nous enseigne parfois dans les écoles de musique qu'il ne faut pas mettre de pédales, nanana, patati et patata, mais pas du tout. Bach, c'était un bon vivant quand même. Il a eu combien d'enfants, Marc Castelin ? 24. Voilà, 24. Toi, tu avais dit 20, tout à l'heure, moi j'ai dit 24. La TVA, ça vient plus à 4 près. 20, voilà, 20 plus la TVA. C'était un bon vivant.
je pense, c'était aussi un sensuel. La musique, c'est ça. La musique, c'est l'alliance de la spiritualité et de la sensualité. Et là, je vous propose d'écouter... Tu sais à quoi je pensais encore en écoutant cette badinerie? Oui, dis-moi. C'est un petit peu les variations sur Carmen de Rovitz, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est, c'est un peu dans le même genre, quoi. Bien sûr, bien sûr. Oui. C'est vraiment le fait de s'amuser avec des thèmes qu'on connaît, qu'on aime beaucoup, d'ailleurs. Hein, oui, et puis... des thèmes très populaires. Et puis, bon, il ne faut pas être trop puriste. À l'époque baroque, ça se faisait régulièrement de prendre un thème et de s'amuser avec ce thème. Excuse-moi de te rappeler, Marc, Bach a été le premier grand transcripteur. Oui, tout à fait. J'avais enregistré à l'époque pour Sony Classical les concertos de Vivaldi que Bach a transcrits pour clavier. Il a transcrit aussi des concertos de Marcello, excusez-moi, des frères Marcello, et d'autres, même d'Anonyme, de Telemann, tout ça. Non, non. Alors là, je vous propose de la musique française, si vous me le permettez. Ancien régime et République. Une petite curiosité. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire, c'est oui, pas très clair. Ça a l'air bizarre. C'est un CD qui s'appelle le French Recital. Et donc, on va entendre... j'étais un jour à la Bibliothèque nationale de Paris et je recherchais des partitions rares et je tombe sur un traité de trompe de chasse. Parce que tu joues la trompe de chasse aussi? Non. Mais il y avait des morceaux qui m'intéressaient là-dedans. Un traité qui a été écrit par un certain professeur Lenormand. Et je vois toute une série d'airs de chasse à cour écrit par un certain marquis de Dampierre qui avait été recueilli par ce professeur Lenormand dans ce traité de trompe de chasse. Et en regardant ces airs de chasse à cour, je tombe sur un air composé par le roi Louis XV. Donc il a dû, lors d'une chasse à cour, siffloter un petit air qui lui est venu, comme ça, à l'esprit, et quelqu'un a dû le réécrire. Et je me suis amusé à faire une petite improvisation qui n'est même pas écrite, qui dure à peine une minute, et qui est enregistré sur ce disque consacré à la musique française. On entend aussi des œuvres de Rameau. Il y a d'ailleurs une chanson de Louis XIII. En fait, ça va de Louis XIII à Boulez, en passant par Debussy, Ravel, etc. Et là, je vous propose d'écouter cette petite improvisation qui n'a été faite qu'une fois sur cet air de Louis XV et qui sera suivie, que les puristes me pardonnent encore une fois, par la Marseillaise dans une paraphrase de concert de Franz Liszt, réarrangé, et encore un grand pardon, par Cyprien, à la sauce Cyprien. Voilà. Ancien régime et révolution. Thank you.
Cyprien, j'ai l'impression que dans cette transcription de la Marseillaise, il y a plus de Katsaris que de Liszt, non ? Je ne sais pas. Non ? Je sais pas. En tout cas, c'était en public au Japon, à Nagoya, il y a 16 ou 17 ans. Voilà. Public enthousiaste. Voilà. Et puis là, on va arriver à notre cher Xifra, que j'ai connu... Tu as eu des relations privilégiées avec Xifra. Oui. Ah oui, oui, mais je n'ai jamais pris de cours avec lui. Hein. Non. Mais j'avais gagné son concours 2 ans après le concours Anne-Elisabeth en 72, donc c'était en 74 à Versailles. J'avais eu le grand honneur de le rencontrer. Il faut dire que Xifra a été mon premier grand choc pianistique. Quand nous sommes venus du Cameroun à Paris en 61-62, je me souviens, j'avais assisté à un concert, je crois au Théâtre du Châtelet, où il avait joué la Fantaisie hongroise et le premier concerto de Liszt. Et j'ai eu un coup de foudre, bien évidemment. Et d'ailleurs, mon tout premier concert, qui a eu lieu en 65, je crois, au Théâtre des Champs-Élysées, dans le cadre d'un concours qui s'appelle Le Royaume de la Musique, c'était la Fantaisie hongroise. Et ça avait été enregistré par l'ORTF à l'époque. Et donc, quand j'ai connu Xifra, j'ai joué dans un salon privé pour lui. Et j'ai présenté son concours. Et je voulais comprendre comment il était possible de jouer ce vol du bourdon, ce foutu vol du bourdon qu'il avait arrangé pour piano et qui est absolument phénoménal. J'ai demandé la partition et il me répond, je ne l'ai jamais écrit puisqu'il improvisait, il n'écrivait pas les... Et donc il avait demandé à son fils, Georges Xifra Junior, qui était un excellent chef d'orchestre, au destin tragique puisqu'il est mort... Il est mort à l'âge de 39 ans, brûlé vif. Mmh. Non, c'était un bon chef d'orchestre. On avait joué le Tchaïkovski ensemble. C'est un garçon très intelligent. Mais il avait le tort de porter le prénom de son père. Le pauvre, il n'a pas la carrière qu'il méritait. Et c'est lui qui a, à la demande de son papa, passé des mois et des mois à transcrire d'oreille sur papier les fameuses improvisations du Xifra. Mais qu'est-ce qu'il me fait comme coup, Xifra ? Il me dit, bon, j'ai un grand échiquier. Vous vous souvenez d'une émission qui s'appelait Le Grand Échiquier, oui, Jacques Chancel, en 75, en avril d'ailleurs, c'était le 24 avril ou le 25 avril 75, exactement il y a 30 ans, nous sommes le 23 avril. Voilà. Encore un anniversaire. Voilà. Alors il me dit, tu vas jouer le vol du bourdon au Grand Échiquier. Et alors qu'est-ce qu'il me fait ? Un passage au milieu avec un tri simple, il me le transforme en tri double. Lui, quand il a joué, il fait mi-fa, mi-fa, mi-fa. Mais moi, il a fallu que je me tape si-mi, do-fa, vous voyez, en quarte. Et quand la partition a été publiée quelques années plus tard, le tri en double note, il l'a enlevé. C'est redevenu un tri simple. Là, je vous propose d'écouter la transcription par Xifra du vol du bourdon que j'ai joué en 4e bis cette année-là, en 1975, aux fêtes romantiques de Nohant, chez Georges Sand. Et ici, le tri, il est double ? Ah oui, il est double. Il est double. Malheureusement pour moi. Malheureusement. Bon, on l'écoute. Bien, notre technicien Alessandro me posait la question pendant qu'on écoutait cela, s'il n'y avait vraiment que deux mains et qu'un pianiste. Ben, je l'ai fait écouter une fois à Seiji Ozawa qui pensait qu'il y avait deux pianistes. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que ce vol du bourdon, je l'ai transformé en viol du bourdon. C'est quand même gênant quelque part. Non, mais disons que, allez, soyons un petit peu sincères, oui. C'est comme extraordinaire. Du point de vue technique, c'est comme extraordinaire. Enfin, c'est vraiment phénoménal. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est tout ce qu'on peut faire avec un piano.
voyez. Non, non, mais avec 10 doigts aussi, avec les tiens, c'est quand même extraordinaire de jouer ça comme ça. Le piano est un instrument phénoménal. Moi, il m'arrive par exemple, je me souviens, il y a 2-3 ans, j'étais en train de travailler les concertos de Mozart, et puis tout d'un coup, j'ai envie de déchiffrer toute l'œuvre de Couperin. On peut jouer un tango de Piazzolla, j'ai joué en bis une fois, je me souviens, La Panthère Rose. Le piano est un instrument phénoménal. Et il faut pouvoir exploiter toutes les possibilités. Il faut mettre en d'autres bonnes choses. Oui. Pardon, c'est comme les langues des op. Hein. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Et les transcriptions, tu as tout à fait raison de le rappeler. Les transcriptions, c'est un petit peu ce que La Fontaine a fait avec les fables des op, hein, soit dit en passant, les fables de La Fontaine. Alors là, on va arriver un petit peu à la nostalgie. Je vous propose d'écouter les 5 dernières minutes, non pas du commissaire Bourrel, les 5 dernières minutes du 3e concerto de Rachmaninoff. Hein. Alors ça, c'est un souvenir pour toi. Ah, et pour nous aussi, unique. D'ailleurs, pour nous aussi. Ah. Vous faites un plaisir fou en ressortant ce 33 tours de l'époque du Reine Elisabeth. C'était donc les 5 dernières minutes du 3e Rachmaninoff que j'avais joué en finale en 1972. Si ma mémoire est bonne, c'était le 31 mai avec l'Orchestre National de Belgique qui a fait un travail admirable sous la direction de René de Fossé. Alors ça, c'est le petit coin qui nous fait plaisir, un petit peu nostalgique. Bon, c'était une époque où moi aussi, j'étais un des fans de Katsaris, et voilà. Surtout dans ce 3e de Rachmaninoff, je me souviens que j'ai explosé après cela. On l'écoute les 5 dernières minutes seulement. Thank you.
ça me fait des... Ça me donne des frissons quand j'ai réentendu ça. Ah oui, moi aussi. Hein. Le public applaudit juste avant le dernier accord. Oui. Ça, c'est l'enthousiasme. Ça ne se commande pas. Ça, c'est vraiment... On est là et puis voilà. Mais ils ont été admirables, vous savez, l'Orchestre National de Belgique. Tu n'as pas entendu mon applaudissement, moi qui... Non, c'est vrai que l'orchestre, vraiment, c'est un rôle très ingrat, mais ils s'en sont très bien sortis. Formidable. René Defossé était un homme qui avait aussi un métier, un excellent musicien. Merveille. Alors Cyprien, il est presque 11h, on doit se quitter. On resterait bien encore ensemble, mais enfin bon, on peut refaire ça une autre fois. Et je voudrais te poser une dernière question. Oui. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire une carrière? Il faut être pour doué faire une au carrière. Départ. Il faut être doué au départ. Tu me demandes ça. Parce que quand j'entends jouer par exemple toutes ces pièces virtuoses, il faut être doué, ça ne s'apprend pas. Écoute, tu me demandes ça quelques secondes avant la fin de l'émission, les ingrédients sont quand même assez mystérieux. Il faut y croire. Il ne faut surtout pas se laisser dévier par toute personne qui essaierait de t'en empêcher. Le don, c'est une chose, mais ce n'est qu'un champ qu'on laboure. Il faut beaucoup, beaucoup travailler, n'est-ce pas ? Et puis être sincère, être soi-même. Il vaut mieux ne pas plaire à tout le monde et être soi-même, être fidèle à ses convictions artistiques, philosophiques, religieuses ou autres. Voilà. Je vous propose de finir avec un morceau qui s'appelle Adios, d'un compositeur mexicain qui s'appelle Alfredo Carrasco. Voilà, disons au revoir à nos auditeurs avec Adios de Alfredo Carrasco. Merci Cyprien, merci d'être venu à Bruxelles. Merci mille fois.